Les bravos du public du studio Ernest Ansermet pour Miki Aoki et cette première ballade de Chopin. Ballade sous-titrée La Favorite, qui était la préférée de Chopin de ces quatre ballades, des pièces de forme très libre que ces ballades. Cette première ballade de Chopin, Franz Liszt en a dit qu'elle était une odyssée de l'âme de Chopin. Et peut-être que Franz Liszt est un petit peu par l'esprit avec nous encore pour la prochaine pièce de ce programme, puisqu'il s'agit de Variations Paganini. Par Fazil Say, Paganini qui était bien sûr un modèle, un exemple, une figure importante pour Liszt. Et Fazil Say, en composant des variations Paganini, me semble-t-il, se place aussi dans ce sillage. Elles seront interprétées, comme toutes les pièces que nous entendons ce soir, par Miki Aoki. Et puis ensuite, encore une pièce de Fazil Say, les variations Summertime. Voilà, et Fazil Say est un fan de jazz aussi. Et comme Miki Aoki, il cherche à ouvrir des porosités entre les genres musicaux. Il y a une certaine fraternité sans doute entre ces deux musiciens, Miki Aoki, pianiste japonaise, d'éducation musicale britannique, américaine, allemande, établie aujourd'hui en Autriche, et Fazil Say, pianiste bien connu et compositeur turc, né en 1970 à Ankara, auteur de symphonies, de concertos et de ces deux pièces qu'on va entendre maintenant sous les doigts de Miki Aoki. Thank you.
Thank you.
Et avec ce deuxième nocturne de Chopin s'achève le récital de Miki Aoki aujourd'hui au studio Ernest Ansermet dans la tribune des jeunes musiciennes et des jeunes musiciens. Juste avant, il y avait Fazil Say qui m'a fait penser à une autre musique de fil en aiguille pour rester ensemble pour la suite de cette émission. Fazil Say qui a beaucoup collaboré avec la violoniste Patricia Kopaczynskaya. Et Patricia Kopaczynskaya a aussi mêlé des répertoires populaires avec des répertoires savants. C'est le cas dans un magnifique CD qu'elle avait fait paraître en 2010 avec lequel je vous propose de nous quitter. La voici avec son père, Victor Kopaczynski, au cymbalum, au violon. Victor, non Victoria, que dis-je, Patricia Kopaczynskaya. Et merci à vous tous qui nous avez écoutés en direct au studio Ansermet.